Bah, merci à tous d'être là déjà pour citer la dernière conférence de la matinée. On va faire vite, hein, je pense que tout le monde a faim. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Worker PHP avec Messenger et Systemd. D'abord, je me présente rapidement. Moi, c'est Loïc Pira. Je suis développeur chez JollyCode depuis quelques années. Et je travaille au quotidien avec PHP, Symfony et tout l'écosystème qui va avec. Et de temps en temps, je fais un peu de front avec du React, du TypeScript, et souvent aussi un peu d'Ops, souvent avec Ansible. Sur Twitter et GitHub, vous pouvez m'en trouver sous le pseudo Pirec. Et voilà. Pour terminer à propos de moi, j'ai quelques passions, comme prendre des photos avec mon drone, faire des road trips en vélo l'été pendant plusieurs semaines, ou encore tout ce qui va toucher au bricolage et électronique, comme par exemple faire un système au travail pour appeler l'ascenseur quand on n'a pas son badge, ou encore pour passer le bonjour à son patron. Mais ça, c'était la partie marrante de la conf. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de worker PHP. La première question qu'on va se poser, c'est quoi un worker PHP? Et ben, globalement, ça va être juste un processus PHP qui va tourner en dehors de votre serveur web, en dehors de votre logique HTTP. L'idée, c'est d'avoir du code qui tourne à côté de votre application en asynchrone. Le but, ce qu'on cherche à faire, c'est retarder tous les traitements qui ne sont pas nécessaires pour répondre à vos clients. Par exemple, vous avez un utilisateur qui s'inscrit sur votre site, vous voulez lui envoyer un mail, un mail de confirmation de création de compte. Vous n'avez pas besoin d'envoyer le mail tout de suite avant de lui répondre que sa demande a bien été prise en compte. Dans les cas d'utilisation les plus classiques qu'on a pour les workers, donc on va avoir tout ce qui va être envoi de mail. Si vous avez de la logique, par exemple des calculs un peu lourds à faire, ou alors si vous avez de la logique qui requiert de faire plein de requêtes à votre base, c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire dans un worker. Nous, on a souvent des documents Elasticsearch à réindexer quand on a des données qui changent en base, et du coup, pareil, on fait ça souvent avec des workers. L'intérêt de mettre en place des workers, c'est qu'on va avoir une logique métier qui va pouvoir être un peu encapsulée, qui va être un peu autonome, ce qui fait que s'il y a un souci pendant l'exécution de ce worker, on va pouvoir avoir un système qui retry automatiquement. Par exemple, si vous interagissez avec une API tierce et que pendant un moment, cette API elle est plus fonctionnelle, avoir un système de retry automatique, ça va permettre de réessayer plusieurs fois jusqu'à ce que l'API en fasse répondre. Pour cette conf, je me suis inspiré d'une application que j'ai développée à la base pour moi, mais qu'on utilise du coup quasiment au quotidien à JollyCode. C'est une application de monitoring d'URL, comme il en existe pléthore sur Internet, mais ça m'amusait de recréer une et de voir comment ça marchait et ce qu'on pouvait mettre en place dedans. L'idée principale de cette application, c'est d'avoir des notifications Slack en temps réel dès qu'il y a un souci sur une de nos URL, que ce soit des projets clients, des projets internes, voire même des projets perso. Et ce qu'on va chercher à voir aujourd'hui, donc ça va être un fonctionnement ultra simplifié, c'est juste d'avoir un cron qui va tourner toutes les minutes, qui va exécuter une commande Symfony, et cette commande, c'est elle qui va demander le check d'une URL de manière asynchrone. Et pour ça, on va utiliser premièrement Messenger. Donc Messenger, c'est quoi? C'est un composant Symfony qui est dispo qui est sorti en 2018, donc ça fait pas mal d'années qu'il est là. Il est sorti avec la version 4.2 de Symfony. Et globalement, ce composant, il va permettre d'envoyer des messages d'un côté. Donc un message, c'est ce qui va représenter une logique métier. Et de l'autre côté, on va avoir un handler qui va s'occuper d'exécuter le code qui va bien pour faire pour traiter ce message et faire la logique correspondante. Donc un message dans Messenger, c'est simple, c'est juste une classe PHP, la seule contrainte qu'elle a, c'est qu'elle soit sérialisable. Et dans notre cas, on va faire un message qu'on va appeler check URL. Ce message, il va avoir juste une propriété URL, ça va être l'URL à monitorer. Et une fois qu'on a ça, il faut qu'on fasse le handler. Le handler, ça va être un service Symfony assez classique. On va juste lui mettre un attribute @MessageHandler. Donc les attributes, c'est les nouvelles annotations natives de PHP 8. Donc on lui rajoute cet attribute et on va ajouter une méthode invoke avec un paramètre qui va être typeinté avec le type de notre message. Et juste avec ça, en fait, Symfony va comprendre que quand il y a un message de type check URL qui est envoyé, alors automatiquement c'est ce handler qui va être appelé. Si on regarde le code du handler, là on a vraiment un exemple ultra simpliste, ça va juste faire une requête HTTP à notre URL et ça va loguer le status code de la réponse. Une fois qu'on a ça, on va simplement faire une commande qui va dispatch ce message. Donc on instancie le message, on lui passe l'URL à monitorer. Donc là, dans notre exemple, afup.org/test. Et ce message, on va le dispatcher dans le bus de Messenger. Et si on exécute cette commande, on voit bien que le handler a été appelé, et on a notre log qui apparaît. Sauf qu'en fait, ça c'est bien, ça marche, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir d'un côté de la logique qui empile les messages dans une file d'attente, et de l'autre côté, le worker qui va dépiler les messages au fur et à mesure. L'idée, c'est vraiment d'avoir un traitement asynchrone. Et dans Symfony, on a plein de transports qui sont supportés nativement pour faire ça. Si vous utilisez RabbitMQ, par exemple, on a un transport AMQP, c'est possible d'utiliser Redis, c'est possible d'utiliser plein de choses. Nous, dans notre cas, on va utiliser Doctrine. Alors, Doctrine et votre base de données, en tant que telle, c'est pas un système de file d'attente. Et du coup, pour avoir le comportement qu'on veut, en fait, ce que fait le transport Doctrine, c'est qu'il va créer une table dans votre base de données, et c'est dans cette table-là qu'il va empiler tous les messages. En fait, un message avec une ligne de la table. Du coup, nous, on va configurer notre transport pour utiliser Doctrine. Donc, on va utiliser la deuxième ligne. On va configurer la variable d'environnement message transport DSN avec doctrine::default. Le default, ça veut dire juste qu'on prend la connexion Doctrine par défaut de votre application. Ensuite, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est de créer un transport. Donc ça, ça se fait avec la configuration Messenger transport. On va l'appeler async et on va lui passer la variable d'environnement qu'on a configurée à l'instant. Deuxième chose à faire, c'est de configurer le routing. Et le routing, en fait, c'est ce qui va permettre de faire comprendre à Symfony que quand on a un message de ce type-là qui est envoyé, alors il doit l'envoyer dans ce transport. Donc dans notre cas, on veut que le message check URL soit envoyé dans le transport async. Et si on lance maintenant la commande Messenger Consume avec le nom de notre transport, async, ben en fait, cette commande-là, elle va tourner de manière infinie et elle va attendre que des messages soient envoyés dans le transport. Et dès qu'il y a un nouveau message qui apparaît, elle va le prendre, elle va le traiter, elle va appeler le handler correspondant et elle va se remettre en attente de nouveaux messages. Et donc ça, en fait, c'est notre worker. Sauf qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que qu'est-ce qui se passe si on lance ça en prod, si on lance juste ça en prod et qu'une erreur intervient dans notre worker, si le worker il crash, comment on fait pour le relancer, comment on fait pour qu'il soit tout le temps fonctionnel. Et pour ça, on va utiliser Systemd. Systemd, si on regarde le site de Systemd, ça nous dit que c'est un ensemble de composants pour Linux, et en fait, globalement, c'est un gestionnaire de service, et c'est le premier processus qui va être lancé quand on démarre la machine, et c'est Systemd qui va démarrer tout le reste de l'OS. Pourquoi on utilise Systemd? En fait, il y a plusieurs alternatives. On pourrait utiliser AirUnit, on pourrait utiliser Supervisor, il y a peut-être des gens qui ont déjà utilisé, c'était un classique il y a quelques années pour faire ce qu'on veut. En fait, l'intérêt de Systemd, l'intérêt principal, c'est que c'est un standard dans la plupart des distributions Linux. Si vous utilisez Debian, Ubuntu, Red Hat, vous avez déjà Systemd sur votre machine. Alors, il y a beaucoup de critiques autour de Systemd, notamment le fait que ça fasse trop de choses, que ça réécrive de la logique qui est déjà dans le kernel Linux. Il y a plein de gens qui reprochent un peu la toxicité de certains devs Systemd. Bref, c'était pas tout rose, loin de là. Ça empêche qu'actuellement, c'est probablement déjà installé sur votre machine, donc autant l'utiliser. Un des avantages de Systemd aussi, c'est qu'on peut l'utiliser sans être administrateur sur la machine. Il y a un système de user unit en fait, qui permet de déclarer ses propres services sans avoir à être root. Donc c'est pas ce qu'on va faire dans la suite, mais c'est bon de savoir que c'est possible. Donc notre but, c'est que ce soit Systemd qui gère notre worker, et pour ça, en fait, dans Systemd, on a une notion d'unit. Une unit, c'est une ressource, c'est un objet Systemd qui fait une tâche, qui contrôle un matériel, qui démarre des sockets, bref. Systemd gère plein de types d'units différents. Nous, on va faire qu'une unit de type service. C'est les unités les plus classiques pour, justement, démarrer des services sur la machine. Un autre truc intéressant dans Systemd, c'est qu'il y a une notion de dépendance. Par exemple, si votre unit, vous avez besoin qu'il y ait d'autres units qui soient démarrées avant, c'est possible de le spécifier dans la configuration. Cette configuration, justement, donc il y a plusieurs emplacements standards pour la placer. On ne va pas tout détailler, mais en gros, il faut juste retenir que nous, la config, on va la mettre dans etc, Systemd, système. Et cette configuration, justement, ça ressemble à ça. Donc là, il y a plusieurs choses à noter. La première, ça va être le nom du fichier de configuration, donc le worker messenger forum php.service. Ce nom-là, il est important, c'est en fait, ça va être le nom de l'unit, et c'est par ce nom-là qu'on va référencer notre service dans les commandes qu'on va lancer après. Donc le point service, il est important, c'est ce qui permet de dire à Systemd que c'est une unit de type service. On a d'autres parties qui sont intéressantes. On a la configuration execstart. Ça, c'est la commande que Systemd doit lancer pour démarrer notre worker. Et si on regarde bien, en fait, c'est juste la commande qu'on lançait tout à l'heure, le messenger consume. On a aussi une partie qui est importante, c'est la partie qui dit à Systemd ce qu'il doit faire quand votre service il est stoppé ou quand il se crache. Là, nous, on va lui dire que, avec Restart Always, on va lui dire de toujours démarrer le service dès lors qu'il y a un crash, dès lors qu'il se stoppe. On va lui dire d'attendre 1 seconde entre chaque redémarrage pour ne pas spammer le système. Et on va aussi configurer un timeout, avec timeout sec. Ce timeout, il est assez important et il est utilisé à deux moments. Le premier, c'est au démarrage. Quand on demande à Systemd de démarrer notre service, si au bout de ce timeout, donc dans notre cas on a mis 300 secondes, si au bout de ce timeout le service n'a toujours pas démarré, alors Systemd doit considérer que notre service a un souci et du coup il va le redémarrer. Deuxième moment où le timeout il est important, c'est quand on demande à stopper un service. Quand on demande ça, Systemd va informer le service qu'on veut le stopper, il va lui envoyer un signal d'interruption, ce qui va permettre au service, de terminer son traitement en cours, de terminer proprement, puis de s'arrêter. Si jamais, au bout de ce timeout, le service n'a toujours pas terminé, alors là, Systemd va tout simplement killer le processus. Donc là, on met une valeur qui est assez importante. C'est justement pour si jamais vous avez un cas où vous avez un message qui prend un peu de temps à être processé, du coup en laissant 300 secondes, normalement en théorie, vous avez largement le temps de terminer le traitement de ce message. On a une autre partie qui est importante, c'est la configuration Start Limit. Là ici on va dire en fait que si notre service démarre plus de 5 fois en moins de 20 secondes, alors Systemd doit considérer qu'il y a un souci, clairement le service n'arrive pas à démarrer, et du coup, passer cette limite, c'est pas la peine de continuer indéfiniment, du coup Systemd va arrêter de redémarrer le service. Donc là, le service il sera plus up. Pareil, c'est toujours dans l'optique de ne pas spammer, alors qu'il y a clairement un souci qui ne va pas se réparer tout seul. Une fois qu'on a notre unit de configurer, là il ne nous reste plus grand chose pour qu'on ait notre worker qui puisse tourner en prod. La première, ça va être de démarrer le service, tout simplement. Donc ça se fait avec la commande systemctl start, avec le nom de notre unit, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le worker messenger forum php.service. Et une fois qu'on fait ça, c'est bon, on a notre worker qui tourne en prod, et qui sera démarré tout seul s'il crache. Il y a un autre truc auquel il faut penser, c'est d'activer le service. En fait, par défaut, si la machine redémarre, tant que le service n'est pas activé, il ne sera pas démarré automatiquement au prochain reboot de la machine. Donc pour ça, ça se fait avec la commande systemctl enabled, le nom de notre service. Et une fois qu'on fait ça, même s'il y a un reboot de la machine, du coup on aura bien notre worker qui sera démarré correctement. Si jamais vous faites des modifications dans votre unit, faut bien penser à informer Systemd qu'il y a eu des modifications justement sur une des unités et qu'il doit recharger toute sa configuration. Ça se fait avec la commande systemctl daemon reload. Donc du coup, là, normalement, on est censé avoir notre service qui tourne, et si on fait un systemctl status, le nom de notre unit, on voit bien l'état actuel de notre service, on voit qu'il est actif, qu'il est en train de tourner. On peut voir depuis combien de temps il tourne, donc là, depuis 40 minutes dans l'exemple, on peut voir la quantité de mémoire consommée, on peut voir le PID du processus principal, etc. On voit plusieurs choses, et notamment tout en bas, on voit les derniers logs qui ont été produits par notre worker, et si on regarde bien un peu plus en détail, on voit que c'est les logs de Messenger qu'on avait tout à l'heure. Donc a priori, c'est que tout se passe bien. Et donc là, c'est bon, on a vraiment notre worker qui peut tourner comme ça en prod de manière safe. Quelques pro tips pour terminer. En général, on évite de laisser les workers tourner en continu indéfiniment en prod, parce que si jamais, par exemple, vous avez une fuite mémoire dans votre code ou alors dans une nouvelle dépendance, globalement, ça peut faire exploser la mémoire, ce qui est forcément pas ce qu'on désire. Et pour ça, Symfony Messenger fournit plusieurs options qu'on va pouvoir passer à la commande Messenger Consume. La première, c'est Limit. En fait, là, on va dire, une fois que tu as traité 10 messages, tout simplement, coupe-toi. On peut aussi configurer une limite de mémoire. Par exemple, si au bout d'un moment, le worker consomme plus que cette limite, alors automatiquement, il va finir par se couper. Et on a une autre configuration, time limit. Là, en fait, on va pouvoir configurer la durée maximale au bout de laquelle, une fois que c'est dépassé, le worker va se couper. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que dès que le worker va se couper, on a Systemd derrière qui va redémarrer le worker de zéro. Donc on aura un processus tout propre. Un autre point à ne pas oublier, c'est quand vous faites un déploiement, il faut bien penser à couper les workers. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, le worker va continuer de tourner avec l'ancienne version du code. Et ça, forcément, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez deux moyens pour faire ça. Donc, la première, c'est une commande fournie par Messenger directement, qui est Messenger Stop Workers. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va demander à tous les workers de terminer leur traitement en cours. Et une fois que c'est bon, ils vont s'arrêter. Il y a un inconvénient à cette méthode. C'est que, en fait, vu qu'on a Systemd derrière, le worker il va être démarré automatiquement. Quand vous faites un déploiement, en général, ce que vous préférez, c'est d'abord couper les workers, les laisser inactifs, et faire toute votre logique de déploiement. Mettre à jour le code, installer les dépendances, jouer les migrations, etc. Et pour ça, du coup, je vous conseille plutôt d'utiliser le stop de Systemd. Donc avec Systemd stop, le nom de notre init. Ça, ce que fait, c'est que ça va arrêter toujours proprement le service, ils vont finir de traiter le message qui est en cours. Et en plus, on a la logique du timeout qu'on a vu juste avant, ce qui permet de, en fait, dans notre cas, si au bout de 300 secondes il n'est toujours pas terminé, alors le Systemd va force kill le worker. L'intérêt de cette commande-là, c'est qu'elle est bloquante. En fait, tant que le worker n'est pas coupé, Systemd ne va pas vous rendre la main, ce qui fait qu'en fait vous pouvez vraiment avoir un déploiement plutôt propre, dans le sens où on est sûr qu'on a d'abord coupé les workers, et après on peut faire toute une logique de déploiement. Évidemment, à la fin du déploiement, il faut bien penser à redémarrer le worker. Un truc assez important aussi quand vous avez du code qui tourne en prod, c'est les logs. Il faut savoir qu'avec Systemd, en fait, les logs ils sont gérés par un autre outil qui s'appelle journalD. Et pour consulter les logs de votre init, il faut utiliser la commande journalctl. Donc là, pour consulter les logs de notre init, il faut utiliser sous journalctl -xfeu le nom de notre init. Cette commande-là, en fait, ça va permettre d'afficher seulement les logs de notre init, de cette unit-là. Ça va afficher des infos en plus sur le init, et enfin ça va afficher que les derniers logs et ça va les mettre à jour en temps réel. Un autre truc intéressant dans Systemd, on ne va pas rentrer dans le détail mais c'est bien de savoir que ça existe, c'est qu'il y a un système de template. En fait ça va permettre de faire tourner plusieurs workers, plusieurs instances du même worker. Par exemple, si vous avez une file d'attente avec plein de messages qui arrivent, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs workers en parallèle pour déplier plus vite plutôt qu'un seul. Et enfin, pour terminer, dans Symfony Messenger, il y a par défaut un système de retry automatique. Par défaut, en fait, si un message il est en erreur, il va être essayé 3 fois, et au bout de ces 3 fois, le message il va être ignoré. Alors évidemment, tout ça c'est configurable, on peut configurer la logique de chaque essai, on peut configurer un délai entre chaque essai, enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Par contre, pour la partie où le message il est ignoré, c'est pas forcément cool, parce que du coup ça masque un peu les erreurs. Et pour ça, en fait, dans Messenger, on peut configurer un transport un peu spécial avec la configuration failure transport. Et en fait, ce transport, il va juste empiler les messages qui sont en attente, évidemment jamais les dépiler, ce qui va vous permettre déjà de voir, vous, que dans cette file d'attente, il y a des messages qui n'ont pas été traités, qui sont en erreur, et surtout, ça va vous permettre de les rejouer. Du coup, pour débugger, ce sera un peu plus simple. Il y a plusieurs commandes Symfony qui sont dispo nativement pour justement travailler avec ces messages en erreur. Et voilà, on a fait le tour. Il y a une application de démo qui est dispo sur mon GitHub qui m'a permis principalement de tester que tous mes exemples de code fonctionnaient. Je ne sais pas si on a des questions, mais en tout cas, merci pour votre attention. On a le temps pour une ou deux questions rapides. Bonjour, merci pour cette conférence. J'aurais une question. Donc, tout à l'heure, sur la fin, tu as brièvement parlé de Systemd avec Docker. Je voulais savoir si tu avais déjà pu expérimenter la création d'un service pour Systemd avec des commandes spéciales Docker pour lancer par exemple un service Docker ou des containers. Et du coup, ça implique une autre question, c'est... pour lancer ce service qui exécute des commandes custom, ça nécessite que le service Docker soit préalablement lancé. Est-ce qu'il est possible dans la configuration de Systemd de prioriser ces services? Alors, je ne crois pas avoir parlé de Docker, et si c'est le cas, c'est une erreur. Du coup, je n'ai pas la réponse. C'est à quel moment que... Ok, bon. Il y a une notion de priorité dans les services? Vu qu'on peut configurer les dépendances, peut-être qu'on peut jouer là-dessus. Après, une priorité en tant que telle, je sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il y a une autre question par là-bas. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réponse à l'autre question. En fait, quand tu lances ton consume, tu peux mettre l'ordre du plus important au moins important ou l'inverse, je ne sais plus. Et tu peux gérer des dépendances, par exemple, si tu envoies une commande qui contient un client, mais tu as besoin que le client soit envoyé avant d'envoyer la commande, bah, tu vas envoyer le client avant, et tant que le client n'est pas envoyé, tu ne vas pas envoyer la commande. Et c'est dans l'ordre des queues que tu mets dans ta commande que tu peux gérer les priorités. Une dernière question ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que Symfony propose un composant de supervision des workers ? Non. Une interface pour voir les workers qui tournent, des choses comme ça ? Oui, par exemple. Je crois pas. Il y a des outils dans le profileur probablement pour voir les messages qui vont être envoyés. Et je crois pas que ça affiche les workers qui tournent. Je crois pas. Mais ça peut être une feature intéressante à contribuer. Ok, merci. On est bon ? Merci beaucoup. Cool.